Bien ou quoi les gars, c'est Nation. C'est parti pour retenter une aide à Bo. J'espère qu'elle sera tranquille. Parce que j'ai pas envie de terminer la série. J'aime bien vous aider. Et on commence avec Yo-Yo qui a deux ventes. Alors son stock de bunker il est pas complètement à fond. Mais bon, je pense qu'il va quand même vouloir le vendre. Joli parka les deux là. C'est des sosies. Yo-Yo et le sanguinaire. Ah ouais d'ailleurs salut à Yo-Yo le sanguinaire. Atokim. Red Stobot. Red Game. On a aussi avec nous... On a aussi du HOEX, pardon. Le crew de combattants, là. Attendez, j'ai vu. Il y a Dylan. Salut à lui. Et Jazair, il vient de rejoindre. Salut à lui. Ah, petite vente en Monster Truck. On commence vraiment à la connaître par cœur, celle-là. Et ben, c'est parti. Hein. Il manque quelqu'un, les gars. Il manque un conducteur. Bon, nous, on n'a pas de temps à perdre. Il manque un conducteur. On verra plus tard. Je pense que je vais traverser le marais pour aller de l'autre côté sur la route. Nickel. Ça passe tranquillement. Oh, le PNJ qui spawn devant moi. Ou alors, non, je l'avais pas vu, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il a spawn. On verra dans la vidéo. Il m'a fait voler en tout cas. T'as vu, le club, il est de couleur marron et le GPS marron, on le voit pas du tout. Regardez, on le voit presque pas sur la route. Merci pour la cover, Red. Salut à le Tug. Salut à Belabe. Et dans la partie, il y a Red Game qui vient de quitter. J'espère que tous les véhicules ils ont été pris, hein, parce que le chemin est quand même long. Hein. Je sais pas si t'auras le temps de faire un aller-retour pour prendre un deuxième véhicule. Enfin, moi, parce que je suis le premier arrivé. Allez, on grimpe ça. Et c'est bon. Premier point. Des fois, c'est chiant à conduire ça. C'est abusé. Ah, je me fais flinguer là. Allez. Allez. Tourne, tourne, tourne. Bien vu. Aïe. 3 points encore. Ah non, laisse tomber. Impossible de faire un aller-retour. J'espère que les 3 véhicules, ils ont été pris. J'en vois que 2, là. Ça craint. Il manque un conducteur tout au début. J'espère que... Ah non, c'est bon. C'est bon. 3 véhicules pris. Parfait. J'allais dire, c'est abusé. On était tous là. On a bien vu les 3 véhicules, mais... Personne s'est dit qu'il fallait tous les prendre. Allez, dépose. Putain, il a bugué. Et on passe au dernier point. Salut à toi, Louison. Terminé pour moi. Oublie pas le Monster Truck cette fois. Wow. Il se passe toujours un truc à cette cinématique pour moi. La dernière fois, il a oublié le Monster Truck. Là, il s'est tapé le sol. Alors, 13 sur 15. Il en manque plus que 2. Ah, attendez, je vais répondre. Boum. Terminé. Et sans pression, hein. Vraiment, là, ça se passe plutôt bien. Ah, attendez, ça se passe plus trop bien, là. Il a clairement fait exprès de me tuer, Dylan 8350. Et il s'est mis en mode passif. Ok, j'ai compris. Regardez son message. Je lui ai envoyé tes bourrés pour savoir s'il avait fait exprès ou quoi, tu vois. Il répond ça, donc ça veut tout simplement dire qu'il est là pour nous tuer, quoi. Pour faire foirer les dabos peut-être. Par contre, voilà, il n'y a pas eu d'embrouille ou de guerre avec lui, avec Dylan. Et pourtant, il est parti chez HOX pour venir dans la session, parce qu'il m'a toujours en ami, il m'a rejoint grâce à ça, et pour me tuer, tu vois. Donc, les gars, faut arrêter au bout d'un moment, tu vois. Je sais pas, Spartiate, si, j'espère que tu vas regarder la vidéo. Dis à ce crew-là d'arrêter, quoi, de se calmer, parce que ça sert à rien, là, hein, de venir... Faire exprès de s'amuser, faire forer les Z-Dabo ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, les gars, j'ai rien contre ce crew-là. J'ai rien contre votre crew, aux Gava qui me regardent, qui font partie de ce crew. J'ai rien du tout contre le crew à la base. Parce que je sais très bien que vous êtes un crew vraiment complètement différent et entièrement contre mes principes à moi. Moi, c'est anti-cancer de GTA, tu vois. J'essaie d'un peu sauver l'humanité de GTA en,
en faisant de l'entraide et tout. Vous, c'est tout le contraire dans ce crew-là, mais je dis rien, tu vois. Je clash pas. J'espère en tout cas que vous, les Gava qui sont encore vrais, des vrais Gava, allez leur dire de se calmer dans ce crew-là, parce que ça commence à être relou. Bref, on a lancé une vente. Je vais renvoyer ma Mustang. Je vais demander l'oppressor. Voilà. Et puis Dylan, bah, supprimé de mes amis, hein, qu'est-ce que tu veux. J'espère vraiment que Dylan, il est pas aussi, aussi mauvais pour faire exprès de faire foirer la vente. Ça se ferait vraiment pas, quoi. Encore une fois, t'as le droit de me détester, mais déteste pas le crew en même temps, ils ont rien fait. Bon, il y a un mec qui cherche la daube, là, Ananas, je sais pas quoi. Ah, mais bon, il est sur l'autoroute à pied, voilà. Il va se faire tuer par les autres Gava. Il a pas de crew ni rien, donc voilà, il y a pas... C'est pas suspect, c'est un gars au hasard, vraiment, il nous attaque par hasard. Faut juste escorter ce gros camion. Et en fait, je dis faut juste, mais c'est super dur dans une session où t'as des ennemis. Facile à détruire un camion. Voilà. Désolé, mais je vois que tu t'approches de nous en oppressor. Je suis pas d'accord. Donc, clairement, je pense qu'il y a plus de doute. Il veut faire foirer les dabos. Donc, vite, 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 livre ça. Faut vite livrer, hein. On a vraiment plus le temps. Regardez, il revient tout de suite. Il a déjà l'oppressor, donc... Je pense que c'est une bonne idée de rester en dessous. Il est au-dessus. C'est vrai qu'on peut pas sortir. Il va faire péter tout de suite. De toute façon, là, c'est écrit se mêler flics, donc voilà. Le GPS, il a affiché. C'est parti. Il va enlever son mode passif dès qu'il sera sur nous. C'est obligé. Vraiment, ça se fait pas, les gars. Je sais pas... Quel âge mental, je sais pas, franchement, il faut vraiment être un gamin pour s'amuser à se retourner contre son ancien crew et venir exprès profiter que je sois dans vos amis pour venir faire péter ça. Ça se fait vraiment pas, c'est même pas que je suis énervé, c'est que je suis dégoûté un peu là. Beaucoup même. En plus, on a beaucoup joué avec lui. Franchement, faut pas tout prendre à cœur, tu t'énerves contre un truc, ça y est, tu te retournes contre ton crew, tu veux tout faire foirer. Tu veux tuer tout le monde. J'hallucinerais presque, attention, derrière... On y est presque, allez, vas-y. Finis-moi ça, parce que je suis en stress. Attention de pas avoir la police. Et c'est bon, je crois, non? Non, c'est pas bon, vite. Ah, il a la police, peut-être. Oh, en plus, il est là, vite. J'ai pas envie de faire foirer maintenant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien joué, les gars. À un moment donné, j'ai vraiment stressé. Il est juste là, regardez, il est là. Ok, c'est autour de le sang de la veine, les gars, c'est autour du sanguinaire. Il a une vente. Ah, attendez, il y a un nouveau Gava. Kizaru, salut à toi. Il m'a demandé. Alors, attendez. Regardez, il m'a tué pendant que j'écrivais un message. Merci bien. Ah bah, regardez le message qu'il m'envoie. Ça... Ouais, voilà, ça prouve l'intelligence. H-O-E-X, réveillez-vous, il y a certains membres qui pètent des câbles. Comment on peut arriver à un tel niveau de violence? Je vous le demande, les gars. Ça me fait marrer, moi. Ça aurait donné quoi si j'avais créé une chaîne GTA Free Mode ou d'insultes, t'imagines? À part ça, il y a pas mal de Gava qui me demandent pour vendre. Donc il y a de la vente ce soir. Il va y avoir de l'attente. Je sais pas si on arrivera à tout faire. Enfin, son stock, il était pas à fond aussi non plus. Il était ouais, même presque à la moitié. Hein. Bon, il a lancé quand même. De toute façon, voilà. Moi, ça me dérange pas tant que un Gava, il a besoin d'argent, il veut vendre. À fond ou pas, c'est pas grave, ça lui rapportera quand même un peu d'argent. Et puis ça fait une vente un peu plus rapide du coup. Bah non, on a quand même 3 véhicules, je pensais qu'il y en aurait moins. 3 insurgentes. Ok, on va le suivre et on va le cover. Il y a des méchants. Salut à Nicoa, Shadow Styx. Et je dois en oublier, il y a pas mal de nouveaux Gava qui sont arrivés. Hein. Et attendez, je me fais tirer dessus, là. Ouh, pardon. Je t'avais pas vu. Red game, excuse-moi. J'ai bumpé sur son corps. Ah, ils arrêtent pas de spawn. Il y a grave des buzzards d'attaque sur les insurgents. Et il est toujours dans la partie. Non, mais sérieux. Il est toujours là avec son oppressor en mode passif, il attend juste de pouvoir en exploser un. Allez, toi, tu meurs.
Vas-y, bah continue. Regardez ce qu'il m'envoie. Aucun rapport. Eh, rien à voir. Eh, rien à voir, mec. Je rage sur quoi là? Je suis en train de rager sur quoi, frère? Dommage, il était sympa hein, quand il était dans le crew. Si seulement tu savais à quel point j'ai pas le temps pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est que j'aille me battre avec lui, genre que j'essaye de le chasser, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est même pas trop lui, c'est qu'il y a un joueur orange dans la partie qui tue tout le monde depuis tout à l'heure. Là, pour l'instant, il est loin, tu vois, mais en vrai, c'est une session merdique. Il y a que des... Tous ceux qu'on connaît pas, c'est des joueurs qui font chier. Je suis Killer, c'est le dernier insurgente. Les deux, ils sont assez en avance. Les deux autres, ils sont arrivés même. On est en train d'arriver. Ça livre. 2 sur 3. Allez go, livrez les gars, livrez. C'est le dernier. On peut pas foirer ici, on est à 5 mètres du truc là. Voilà. Quittez la zone, pas de problème. C'est bon. Du coup on passe à Redstone. Il a une vente. Ok, son lieu de production. Eh, salut à... Attends, c'est un nouveau ça? Salut à One Shot, qui est juste là. Je l'avais aperçu dans la station tout à l'heure à côté de nous. Il roulait avec nous sans nous attaquer, tranquille. Bah voilà, il est avec nous dans le club. Eh, j'ai un petit sac. Un sac de livraison. Allez. Alors les gars, attention, parce qu'en oppressor, on tombe facilement. Et quand on tombe, on meurt. Et si on meurt, on perd le sac, donc la marchandise. Je dis attention, mais même moi, faut que je fasse gaffe, ça m'est déjà arrivé. Et il pleut et tout, donc c'est risqué, vraiment. Regardez, il est déjà tombé. Je suis suivi. Mais vas-y, il veut pas... Sans déconner, franchement. Il lâche pas l'affaire. Dylan, il me suit. Il me suit et je le vois pas en mode passif, donc c'est encore plus stressant. Bon, je l'ai semé. Mais j'avoue que là, on cherche le risque quand même. On fait des ventes alors qu'on sait très bien qu'on est poursuivi par le même mec depuis tout à l'heure. On a le goût du risque, je crois. Hein. Vraiment. Atokim, il vient de le fumer. Bien joué. Et comme prévu, c'est au-dessus de la map. Enfin, dans le nord, là, super loin. Ok, on lâche ça et on y va. Go, go, go. Ok, la mienne est livrée. Je vois Louison, il arrive. Mais il a déjà livré. Oh, pas mal. Pas mal son scooter. Et ben ça y est, on a réussi. Bien joué à tous. On a tout vendu. Ok, et d'après mes calculs, il reste une vente. Toute dernière. Et il attend depuis le début. C'est Shadow Sticks. Là, je suis pépère tout en haut de la map. Je sais qu'il y a personne qui viendra me chercher. Non, mais sans déconner, il est venu me chercher jusqu'ici, quoi. On peut pas parler tranquillement aux gens. Ouais, je l'ai eu en plus. Franchement, là, t'abuses. Regardez son cadavre tout pourri qui s'écrase sur le sol. Ok, c'est bon, Shadow Sticks, il m'a invité. Il invite dans son hangar, donc. On va vendre des frais aériens. Let's go. Un véhicule de livraison. C'est quoi, c'est... Ah, c'est un gros avion, là. Ok. Je vous laisse le prendre. Moi, je vais cover en laser. Du coup, j'en profite, ça fait longtemps. Regardez, c'est... Waouh, du calme les gars, hein. Pas de bombe sur l'avion. Ce serait dommage, sachant que c'est la première fois qu'on fait cette mission, je crois. Ah, il a le boost et tout cet avion, c'est vrai, j'avais oublié. Ok, la mission couvrir en avion de chasse, c'est... Ça faisait longtemps. Waouh, il y a des mecs, des bots qui attaquent l'avion là. Première zone de livraison. Ouais, franchement, il y a une super bonne couverture. N'importe quel hélico qui arrive, il arrive pas à survivre 2 secondes. Par contre, il y a un problème, on n'arrive pas à livrer là. Je sais pas ce qui se passe, il passe au-dessus, mais il se passe rien. Ah, ça y est, c'est bon. Fallait le temps que ça atterrisse. Non! Oh, je suis deg! L'avion il s'est crash. Oh non, sans déconner.
Oh, je suis dégoûté pour... Je suis désolé, Shadow, vraiment. Je suis dégoûté pour lui, là. C'était, je crois que c'était la première fois ou deuxième fois max qu'on faisait une vente pour lui, en plus. Bon, bah voilà, d'après ce que j'ai discuté un peu avec eux et d'après les témoignages, on va dire, l'avion s'était bloqué. Alors déjà, de une, on avait du mal à livrer. Ça fonctionnait pas, il m'a dit, Shadow. Et au bout d'un moment, bah, l'avion s'est bloqué et il a essayé de le faire repartir avec le boost et ça a fait péter le truc. Donc sur ce coup-là, on n'a pas eu de chance. C'est pas à cause d'un joueur, c'est vraiment c'est Rockstar. Ouais, regardez, voilà son message. Il s'est coincé au sol et il a boost et ça a pété. Parce qu'on avait du mal à livrer, c'est bien ce que je me disais. Au début, on n'arrivait pas à livrer, ça voulait pas, je sais pas ce qui se passait, mais... Bah, j'en profite pour être ici pour une miniature, parce que c'est magnifique quand même. Vraiment, je suis dégoûté, je suis désolé, Shadow, si tu vois la vidéo. Vraiment désolé. Ah, regardez, ouais, encore plus dégueulasse. Mur invisible, il s'est bloqué contre un truc invisible. Bon, bah, pour cette aide d'abonnés, on a mal fini à cause d'un bug. Donc là, on pouvait rien faire. Mais à part ça, si on résume cette aide d'abonnés, si on met à part, bien sûr, Dylan et tout un petit peu l'embrouille qu'il y a eu avec, c'était une super aide d'abonnés, vraiment. C'est ça que je veux. Ça a rien à voir avec la semaine dernière. Mais vraiment rien à voir, les gars. Là, on est tous vraiment posés. Là, pour aider, il n'y a pas de bordel dans la ville. C'est pas le chaos, quoi, vraiment. C'est exactement ça que je veux voir. Donc, moi, je continue les adabos, pas de problème. Tant que c'est comme ça, c'est cool. Mais la semaine dernière, c'était un enfer. C'est pour ça que ça m'avait saoulé. Là, c'est parfait. Alors, merci à tous. Le Sanguinaire, Darkstar, Shadow Styx, Nico à Louison, The Beast, qui vient d'arriver, salut à toi. Red Game à Tokim, Yo-Yo, Nat, qui vient d'arriver aussi, Redsto, et tous ceux qui étaient là avant, bien sûr, qui nous ont aidés, qui ont participé, qui sont venus dans la session, tout simplement. Merci à tous. Dylan, voilà quoi, hein, regardez, il est toujours là, il arrive vers nous. Je t'ai dit qu'il t'a quitté le crew et à me détester. Ne viens pas embêter les autres, au moins par respect pour eux. Si certains membres, certains gavades de chez HOX pouvaient passer un petit message pour leur dire quand même ça se fait pas d'aller bousiller les ventes des autres, ce serait sympa les gars. Et puis voilà, je suis content de vous, je suis content de cet étabo malgré la petite merde à la fin. En résumé, c'est cool. Voilà, merci à tous et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo les gars. Salut. Sur les mœurs, c'est la guerre, narvaloté dans la mer. J'ai pas le bras long, mais j'ai tenir un Luger et localiser ta mère. Obligé de tirer, j'peux pas laisser le matos rouiller. Obligé de tirer, j'peux pas laisser le matos rouiller. Bécane Magnum, j'y vais tout seul, c'est trop chaud, personne va se mouiller. Mon pote, j'suis obligé d'y aller, j'peux pas laisser le matos rouiller. J'étais mineur, j'voulais du papier, j'faisais de la barre.